nous entrer directement dans le message de la parole du Seigneur. Tendre Père Céleste, Papa, nous qui dans cela, nous bénissons, nous exaltons, nous magnifions, Seigneur. Moment ça, c'est moment pas où nous disons merci pour présence qui remplit là, Seigneur. Nous disons merci pour chaque parole qui peut sortir dans la bouche nous, qui peut sortir avec du feu, Seigneur. Et côté le tombé, Seigneur, pral mettez du feu, Seigneur. Jérémie dit, j'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées. Quelque part d'autre, il dit qu'on sent ta parole, mais comme un feu dévorant, Seigneur. Nous prions que parole, côté le tombé, Seigneur, côté qui stérile, li capable de renifler. Nous prions que parole, côté le tombé, Seigneur, li capable de faire nous courir pour nous servir dans notre dimension. Remets dans notre dimension, adorer dans notre dimension, servir dans notre dimension, fait nous grandir dans l'amour de Christ, dans notre dimension pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Avant même d'entrer dans le message de la parole du Seigneur, on a rappelé où message en saillot, enseignement saillot tiré directement de notre livre dévotionnel écrit par notre pasteur qui intitulé Grandir dans l'amour de Christ. Nous gagnons qu'on y a là n'a fonctionné ou bien n'a pu utiliser quatrième volume non livre ça son bénédiction que lié pour nous mêmes nous encourageons capable acheter lui moi garantir ou l'a contribuer à croissance spirituelle pour la gloire de notre Père. Pour nous entrer dans le message de la parole du Seigneur, 2 Pierre le chapitre 1er le verset 3 dit nous comme ça: sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Sa divine puissance. Ndaremen ou dit sa divine puissance. Ndaremen journée je dis c'est comme si vous sous et podium ensemble avec nous pour aller prêcher ensemble. Dis ensemble avec moi sa divine puissance. Sa divine puissance. Si tu as voulu remplacer sa divine puissance par un autre mot, tu es capable de dire l'Esprit du Seigneur. Si tu as voulu utiliser un autre mot toujours, tu es capable de dire la puissance de l'Évangile. Sa divine puissance, la puissance de l'Évangile, nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Ou bien, ben nous, tout ça qui a un rapport à la vie. Dans les mains où on est ici, le mot vie, mot ça qu'on gagne qui c'est la vie, c'est pas la vie biologique, la vie du corps, c'est pas la vie et de l'âme, psyché, c'est la vie éternelle. Sa divine puissance, la puissance de l'Évangile, ben nous tout ça qui gagne rapport avec la vie éternelle. Et gon l'autre mot encore c'est à la piété. Mot piété par l'autre bagage c'est force morale et la détermination spirituelle. Mais il y a un mot qui est intéressant dans le verset ça qui le dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Ça qui est intéressant dans le passage, c'est tous ceux. Amen. Dis ensemble avec moi tous ceux. Dis ensemble avec moi tous ceux. Laisse-moi prendre du temps pour me réfléchir, pour me garder ça comme dans tous ceux. Tous ceux qui sont moi. Moi, je ne dans tout ce ça, je ne suis pas capable de jouer tout le bagage dans tout ce ça, ou bien je n'ai pas de temps pour me dire tout ça dans tout ce ça. Mais il y a deux, trois bagages qui sont dans tout ce ça, que sa divine puissance nous a donné. Bagage dans tout ce ça, c'est la rémission de nos péchés, ou bien le pardon de nos péchés. Ça, c'est une bagage que moi. L'autre bagage encore, dans tout ce ça, que sa divine puissance nous a donné, moi, ouais, la purification de nos péchés. L'autre bagaille, moi, ouais, la réconciliation avec Dieu en dans tout ce ça. Dès qu'on vient toujours me camper là. Et grande parole que nous jouons dans Esaïe, le chapitre 11, le verset 2. Moi, je veux faire qu'on est non seulement nous jouons dans cette cité, nous jouons l'autre bagaille encore. En dans tout ce ça, il y a la plénitude de Dieu en dans tout ce ça. Esaïe, le chapitre 11, le verset 2 dit, fait nous connaître. L'Esprit du Seigneur reposera sur lui. L'Esprit de sagesse et d'intelligence. L'Esprit de conseil et de force. L'Esprit de connaissance et de crainte. En dans tout ce ça, moi, je joue l'Esprit de sagesse et d'intelligence.
Moi, je joins l'esprit de conseil et de force. Moi, je joins l'esprit de connaissance et de crainte. Mes chers amis, mais ça me joigne. L'homme descend toujours moins l'autre bagarre encore. Je voulais mentionner Galates, le chapitre 5, le verset 22, qui parle nous de caractère bon Dieu. En dans tout ce sage caractère bon Dieu. Amen. Lorsque la parole du Seigneur dit nous comme ça, sa divine puissance m'a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Il dit comme ça, la puissance de Jésus-Christ, la puissance de l'Évangile. En donne m'a une rémission pour péché, m'a une pardon pour péché, m'a une purification pour péché, m'a une réconciliation avec Dieu. Non seulement ça, m'a une Esaïe, le chapitre 11, le verset 2. Il dit que ça, souquet, toujours capable de dire toujours. Il dit que une Galates, le chapitre 5, le verset 22. Mais matin, hein, nous ne venons pas parler de la rémission des péchés. Nous ne venons pas parler de la purification de nos péchés. Nous ne venons pas parler de sagesse, nous ne venons pas parler de conseil divin, de crainte, mais plutôt nous venons parler de la connaissance de Dieu. Donc, le thème de notre prédication en ce aujourd'hui, c'est « Je suis rempli de connaissance ». Gardez-en, mon qui quand on l'a dit, ou « rempli avec connaissance ». Ah, dis-le, tout à coup, regarde-nous. C'est assuré ou mûli. On comprend pas dire je suis rempli de connaissances. Moi-même, je suis rempli avec connaissance. Moi rempli avec connaissance. Dans mes ouais sous visage ou que ou mûli sorti ou rempli avec connaissance. Amen. Du point de vue spirituel, que veut dire connaissance? La connaissance du point de vue spirituel ou bien en contexte. Spirituel, livre dit que ou gagnez bon Dieu déposé dans l'esprit ou information. C'est ça que livre dit. Il dit bon Dieu déposé dans l'esprit ou information. La connaissance est une information que Dieu dépose dans notre esprit. Et information ça y est très important pour que ou capable faire attention avec yo ou analyser yo s'il faut. S'il faut, ou capable même faire des recherches. Ou capable faire des recherches pour qu'on capable comprendre l'information. Bon, dis-le plus clair. Je me rappelle, je dis ça déjà. Qu'est-ce que c'est bon Dieu révélé ou? Bon Dieu a une révélation. Quoi que l'on ait une révélation, ça n'a pas dit pour autant que révélation est claire pour vous-même. Il parle clair pour vous-même, c'est lorsque vous comprenez la révélation et vous êtes capable d'exécuter ça. C'est le ça. C'est comme si la révélation, cette révélation toute seule, vous êtes capable de dire, c'est comme s'il manquait pour vous-même. Pour Dieu, elle est complète, mais pour vous-même, elle manquait. Ça fait ça, vous pouvez comprendre. Non seulement vous comprendre, vous pouvez vivre. Amen. Dans le même contexte, ça. Connaissance, li pa l'autre bagarre, c'est une information que bon Dieu déposé dans l'esprit ou. Ça pas dit pour autant au comprendre. Gen sa ou des vérités très profondes que moi même ensemble avec ou gagné que moi même ensemble avec ou connaît mais nous pas comprendre yo. Par exemple, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Nous n'avons pas de problème pour nous dire comme ça, Dieu nous aime, ou bien Jésus-Christ même. Mais nous avons des difficultés pour nous et pour nous comprendre. Ça veut dire Jésus-Christ, remets-nous. Raison, c'est parce que moi-même, ensemble avec vous, nous avons ça. La pensée humaine, elle est finie. C'est impossible pour nous comprendre l'éternel dans toute dimension li gbagba li révéler nous li révéler nous sa parole nous dit l'esprit du Seigneur rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu mais nous gagne difficulté pour nous comprendre ni. L'autre exemple que me capable ba ou c'est ça nous te capable dit bon Dieu choisi ou parmi des millions des milliards de personnes qui pas connaissent Jésus-Christ bon Dieu choisi ou journée, je dis à ou retrouver ou à ses pieds.
Et l'hypon en famille, le gars des familles, des gens en famille, ils sont capables de dire même l'évangile que ou même pour une raison pour une autre, ou prend le Seigneur au sérieux, mais pour eux-mêmes, ils ne prennent pas le Seigneur pour sérieux, ils ne peuvent pas comprendre. Ça fait, ils ne peuvent pas prendre le Seigneur au sérieux. Des gens pendant là, ensemble avec vous, pendant qu'on crie matin, midi et soir, on dit Seigneur, la couvre et puis l'autre, la lui-même, la mène en vie clopant. Dans la saison, ça dans l'évangile, et dans l'autre semaine, dans l'autre saison, dit de yawa. Mais par ça, on ne peut pas expliquer. On ne peut pas expliquer. Lorsque vous connaissez un bagaille, lorsque vous connaissez un bagaille, même si vous avez râlé un revolver, mettez dans la tête, on ne peut pas nier ça qu'on connaît. Amen. C'est encore plus que vous-même, on ne peut pas nier lui. Pour qui ça ne pas qu'à nier, ou pas qu'à nier, c'est parce que ça a bon Dieu révélé à vous-même, nous capable de dire, li intimement lié avec ça qu'on y est. Je ne sais pas comprendre. Ça où y est, ce n'est pas corps qui ou même, ce n'est pas nom qui ou même, c'est l'esprit ou qui ou même. Et là, bon Dieu révélé ou quelque chose, il pas révélé à nom ou bien à corps, il révélé à l'esprit ou. Ou qu'on est dans l'esprit, ou qu'on peut comprendre, ni, mais ou qu'il y a difficulté pour nous. Amen. Ou qu'il y a difficulté pour nous, ça ne faut pas qu'on nous. C'est parce que il fait partie de nous-mêmes. Quelquefois, nous nous retrouvons dans des salles de classe, non salles de classe, quand il y a dispensé un coup de philosophie, côté qui mettait en question côté coup ça, il est capable de dire, il mettait en question foi. Croire que vous n'avez pas d'argument pour répondre. Mais ça qu'on connaît, ou connaît, ou connaît. Amen. Ça qu'on connaît, ou connaît. Bon, tout ça. Je me rappelle mon homme rencontré avec un serviteur. Bon, serviteur, je me rencontre avec un monsieur. Je me rencontre avec lui dans un coiffeur. Monsieur a commencé à parler ensemble avec moi. Il est un chrétien que mien. Il a commencé à bonne parole. Il a fait une bonne parole. On va pas mentir ce qu'on. L'elfine bonne parole, li ce qu'on parce que pas rien que le dit que me capable répondre. Mais son seul bagaille me songer expérience que me fait avec l'Éternel yo réel. Li capable bonne parole. Li ce qu'on mais expérience que me fait avec l'Éternel yo, route me fait avec l'Éternel yo. Parole li dit le m'a dormi. Route li fait avec moi dans moment noir. On pas ca nier yo. Même côté amour prend route. Moi prend route, moi diriger regard vers le Seigneur. Amen. Des paroles moun capable dire ou qui capable secouer ou. Mais yo pas ca enlever expérience ou avec l'Éternel. En pile fois mes chers amis, moi même ensemble avec vous, j'aime se dit tout à l'heure là nous pas gain argument. Mais ça que nous connaissons, pas de monde qui est capable d'enlever de nous-mêmes. Si nous campé là, qui ça ou doit retenir dans moment ça, c'est que vous connaissez avec l'esprit ou, mais vous comprenez avec l'amour. Vous connaissez avec l'esprit ou, mais vous comprenez avec l'amour. C'est ça que nous aimons que vous connaissez. La rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ, dans Marc le chapitre 2, le verset 6, capable d'illustrer le débat ça, moi connais dans l'esprit moi comprends dans l'âme moi. Pour mettre dans le contexte, je mets Marc le chapitre 2, le verset 6 dans le contexte. Non, dans Marc chapitre 1, Jésus-Christ fait un miracle, il guérit un lépreux. Il dit lépreux, l'homme fin guéri, il fait sacrificateur, pas dit ça qui passe. Mes paroles sont trop pour lépreux. Lépreux a marché dit, mais ça Jésus fait. Au point que Jésus-Christ mettait col de yol qui était Capernaum. Dans le chapitre 2, il dit comme ça, Jésus-Christ retourné à Capernaum. Et moun yo prend nouvelle, yo connaît qui côté Jésus-Christ est. Et puisque Jésus-Christ le présente en côté, il faut lui enseigner. Lorsque Jésus prend enseigner, mais Kaila Kounala qui remplit avec moun. Marc chapitre 2 dit comme ça, gagné. Il y a un paralytique, il y a quatre amis qui prennent, ils mettent son bagage là, puis ils entrent avec lui dans la maison, au point qu'ils ne peuvent pas entrer.
yo passé dans feu taille ca là pour glisser en bas. C'est ça qui histoire là. Mais le Jésus qui a parlé avec un paralysé, il dit péché ou pardonné, même quand les pharisiens qui étaient là, ils ont commencé à dire des choses. Mais ils n'ont pas remué bouche, ils n'ont pas parlé, c'est en un cœur, ils ont dit ça. Ou dit. Même côté, Jésus-Christ est connu, ça qui est en dedans. On faut se poser là. En parlant de Jésus-Christ, la Bible fait nous connaître lorsque Jésus-Christ finit baptisé. Jésus-Christ, c'est Marc, le chapitre 1, le verset 40, que nous n'avons pas besoin de projeter. Il dit comme ça que Jésus-Christ est rempli avec le Saint-Esprit, au point que lui poussé par le Saint-Esprit, lui aller dans le désir là. Lorsqu'on est rempli avec le Saint-Esprit, ça veut dire, eh bien, ou bien en dedans, ou bien l'Esprit de Dieu qui a gonflé en dedans, ou bien l'Esprit de Dieu qui remplit en dedans. Puisque l'Esprit, l'Éternel remplit l'Esprit du Seigneur, eh bien, l'Esprit, l'Éternel prend ce qui est en dedans, l'Esprit, l'homme, lui communique avec lui-même. Amen. Lorsque vous remplissez avec la puissance de cet Esprit, eh bien, ce qui est en tête l'homme, il n'a pas besoin de parler ou de connaître ce qui est en dedans tête l'homme. Amen. Même quand il y a Jésus-Christ qui connaît qui ce qui est en dedans tête, pour qui ça, c'est parce que il était rempli. Il était rempli avec la puissance du Saint-Esprit. Rempli avec la puissance du Saint-Esprit, c'est gagner la connaissance surnaturelle. Jésus-Christ connaît ce qui est en dedans, tête pharisien. Yo. Comment le fait dire tes péchés sont pardonnés? Je dis à le fait que vous acceptez Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous acceptez Jésus-Christ de Nazareth, il y a quelques rencontres. Ou gen pour faire, qui quelque monde qui gen pour rencontrer ensemble avec vous. Bon Jean Bakoulouk, ou comprenez ça m'doulan, li paraît avec un plan business devant vous. Lor prend li ou étudier li ou wè pa gen faille du tout là-dedans. C'est tout simplement investi parce que lor raisonner ou est toute bagaille clair. C'est comme ça tout ou même jeune demoiselle, gen jeune monsieur yo prend capable dit yo prend certificat dans sa relé magouilleur. Amen. Yo prend certificat dans sa relé magouilleur. Yo prend certificat dans sa relé bouche douce. Vous comprenez? Si c'est pour convaincre, pas gen l'autre monde qui est capable de convaincre mieux que ou même. Mais l'on gagne l'esprit du Seigneur en dedans. Amen. Quel que soit Jean parler, ou capable de dire ça, c'est un magouilleur que lié. Quel que soit Jean lui présenter, ou capable de dire moun ça, li pas clair. Ou capable de connaître, ou capable de trop de détails. Mon qui t'envoie moun ça c'est un moun ou pas qu'a mettre confiance dans lui-même. Donc je dis n'a fort qu'on est que nous rempli avec la connaissance divine. Mais pas oublier aux paroles qui dit nous comme ça, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, qui peut le connaître. Quoi que moi fort qu'on est que bon Dieu révélé ou bien déposé dans ou même information qui dit ou même dit l'esprit ou, c'est qu'on s'est trouvé quelque vérité, l'esprit capable d'outer. Le ça, ou doué, la gécor en basel Saint-Esprit pour que le capable éclairer ou. Amen. Parce que Jérémie, le chapitre 17, le verset 9, fait nous connaître le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, qui peut le connaître. Nous dit au début, la connaissance, c'est une information que bon Dieu dépose dans l'esprit nous. Et me fait nous connaître que information ça, nous t'aimer que nous connaît journée jeudi à un moment ça que information ça, il est capable pour ou même des feux de circulation. Même chez les enfants d'Israël dans le désert, ils ont gagné des feux de circulation. La parole du Seigneur fait nous connaître pendant dans le désert là, ils ont pas dérapé Jean Yovlé, ils ont pas campé dans route Jean Yovlé. Je t'ai gagné des feux de circulation. À la lumière de la parole du Seigneur, t'as aimé qu'on connaît que des routes pour que les enfants d'Israël étaient capables de faire sortir en Égypte pour entrer en Canaan dans moins d'une année. Bon Dieu fait prendre route que on prend faire traverser la mer Rouge. L'Éternel c'était feu rouge que le taillé. L'Éternel c'était feu jaune que le taillé. L'Éternel c'était feu vert que le taillé. Parce que la parole du Seigneur fait nous connaître. Et là, et pendant le jour, tu as une colonne de nuée qui a dirigé. Une colonne de nuée, et le soir, pendant une colonne de feu. Lorsque colonne a campé, colonne de feu a campé, ou bien colonne de nuée a campé,
eh bien, vous devez camper tout. Vous devez camper. C'est même gentil, moi-même ensemble avec vous, nous gagnons des feux de circulation en notre dedans. Dans la vie, chacun de nous-mêmes gagne des feux de circulation. Puisque nous avons parlé de feux de circulation, nous gagnons des feux rouges qui disent qu'on s'est arrêté. Regardez-vous ce qui est là, dit en dans nous, gagner des feux de circulation. Dit en dans nous, gagner des feux de circulation. Yes, en dans nous, gagner des feux de circulation. Qui dit nous arrêter? Et il y a un bel exemple que nous gagnons pour nous illustrer passage en ça. C'est Acte, le chapitre 21, le verset 4. Acte, le chapitre 21, le verset 4. Et avant même de parler de passage en ça, ça qu'on arrive en pile dans nous-mêmes. Il y a quelque chose que nous voulons faire, par exemple, le nous jeunes, on comprend qu'il y a un jeune monsieur, nous ouais, ou bien une jeune fille que nous ouais, nous dit ça, c'est le Seigneur même qui voyait pour nous-mêmes. Le nous garder jeune homme, ou bien le nous garder jeune fille, hein, nous dit ça, c'est le Seigneur même qui voyait. Parents paraît qui a plus d'expérience que nous-mêmes, lui dit, ouais, monsieur, ça, c'est ou même, moi, courir loin de lui-même. Mais ou même, on dit, non, ouais, monsieur, ça, ça, c'est le ciel qui voyait pour moi, avec nom écrit sous lui-même. Qui s'en a essayé de dire, c'est que, il y a un exemple qui est capable d'illustrer ça, m'a dit, c'est l'histoire d'apôtre Paul. Apôtre Paul était à l'extérieur, apôtre Paul, son seul désir, c'est entrer à Jérusalem. Entrer à Jérusalem, il songeait bien aimé, il voulait entrer à tout prix, il voulait entrer à Jérusalem. La Bible fait nous connaître dans Actes chapitre 21, le verset 4. La Bible fait nous connaître, nous trouvâmes les disciples et nous restâmes là 7 jours. Les disciples poussés par l'Esprit disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. De ne pas monter à Jérusalem parce que à Jérusalem, qui est le capitaine apôtre Paul, c'est chaîne capitaine apôtre Paul. Mais pas oublier, apôtre Paul, son seul désir, c'est entrer à Jérusalem. Dans le même passage, dans le même chapitre, l'apôtre Paul fait sa l'entrée à Césarée, la caille Philippe, une sept prédicateur, la caille Philippe. Eh bien, il y a un certain Agabus qui prend un mouchoir, il commence à prophétiser sur le mouchoir. Là. Il marre comme avec mouchoir là, il dit je vais marrer comme avec mouchoir là. C'est comme ça tout mettre mouchoir ça, c'est mais qui ça cap tenir à Jérusalem. Quoi que ça apôtre Paul pas attendre le pas ouais, il entrer à Jérusalem. Donc ça c'était pour apôtre Paul un feu rouge. Il était doit camper. Mais j'aime ça tout à l'heure là, apôtre Paul lui-même, il était un seul désir c'est entrer à Jérusalem. Moi, il faut qu'on ait le Saint-Esprit non seulement capable d'un feu rouge, il est capable d'un feu jaune. Nous rappelons-nous l'histoire de David. David, c'est une, quel que soit ça, le prêt à le faire. Il dit, Seigneur, est-ce que je suis capable de faire ça? Est-ce que nous rappelons-nous à chaque fois la courir devant Saül, elle est entrée dans une ville. Il dit, si je suis en une ville, est-ce que il y a livré par Saül ou bien il n'y a pas livré par Saül? L'Éternel toujours dit, s'il doit rester ou bien s'il ne doit pas rester. Lorsque David fut installé comme roi, eh bien, Philistins ont pris nouvelle que David, qu'on a ses rois, eh bien, ils ont levé pour attaquer David. Lorsqu'il a attaqué David, eh bien, David consultait l'Éternel. Il dit, est-ce que je suis capable de livrer bataille avec Philistins? Dans un premier temps, l'Éternel dit oui. Et livrer bataille avec Philistins, il gagne Philistins. Dans un deuxième temps, l'Éternel, Philistins ont levé contre lui-même, l'Éternel dit non. Pas livrer bataille avec Philistin. Oui, on peut livrer bataille avec eux, mais comment on peut faire ça? Au lieu pour camper devant Philistin, qui ça va faire? On passer dans dos Philistin. Et lorsqu'on passe dans dos, lorsqu'on tend de gagner un puits sa patte sous pied bois, on connaît c'est le moment pour attaquer. Donc, ça c'était un feu jaune pour David. Moi-même, ensemble avec vous, il y a quelques entreprises. Ou entreprendre quelque chose, ou entreprendre, l'Éternel dit qu'on s'est allé à pas tortue, pas aller rapide. Chaque étape, on a besoin de consulter l'Éternel. Lorsqu'on passe étape, ça pour passer à l'autre étape, on a besoin de gagner feu vert. On a besoin de tenir parole de la part du Seigneur
pour qu'on capable passer d'une étape avec l'autre étape. Ou bien on capable demander bien-aimé qui dans l'église ou camper ensemble avec vous dans prière parce que mais ça va faire face pour que on capable diriger pour capable connaître qui l'heure où doit déplacer, qui l'heure où doit camper. Non seulement mes chers amis, mes chers frères et sœurs, le Saint-Esprit qui est en nous, ou bien cette connaissance que nous avons, il est capable d'un feu rouge, d'un feu jaune pour nous-mêmes, il est capable d'un feu vert pour nous-mêmes. Il est capable pour nous-mêmes d'un feu vert. Lorsque vous avez le libre champ pour faire quoi que ce soit, vous sentirez en paix. Lorsque vous avez le libre champ pour faire quoi que ce soit, vous avez le libre champ. Madame capable pas avec vous, Marie capable pas avec vous, Zami capable pas avec vous, mais ou capable franchir parce que ou connaît l'Éternel avec vous. Ainsi que l'Éternel avec vous, l'Éternel t'a dit franchir ou bien pas t'a dit franchir. Ou t'attendez Marie ou t'attendez Madame qui dit camper ou bien pas camper, eh bien ou bail plus valeur à parole Madame ou bien parole Marie que parole l'Éternel. Amen. Et parole ou bien ça l'homme ouais est limité parce que c'est seul l'Éternel. On comprend pour lui-même l'obscurité pas exister. Pour lui-même l'obscurité c'est lumière. La nuit c'est le jour. Lorsque l'Éternel dit moi ensemble avec vous camper, nous devons camper. Lorsque il dit nous poser ou bien il t'a dit nous ralentir, nous devons ralentir. Et lorsque il t'a dit nous partir ou bien démarrer, c'est démarrer pour la gloire de notre Père. Donc, nous déjà faut connaître mes chers amis, connaissance n'a parlé, nous dit que nous remplis avec la connaissance de Dieu. Nous définis pour même c'est quoi la connaissance. Et après ça nous faut connaître que lorsque bon Dieu est révélé quelque chose, il révèle lui avec l'esprit ou est capable connaître avec l'esprit ou mais ou comprendre avec nanmou. Et cette connaissance est capable des feux de circulation. C'est ça nous faut connaître, capable des feux de circulation, capable feu jaune, il est capable feu rouge, il est capable feu jaune, et c'est comme ça tout, il est capable feu vert. Et ouais, moi-même ensemble avec vous fait, nous toujours borner le Saint-Esprit aux choses spirituelles. Ma poésie, il y a encore, nous toujours borner le Saint-Esprit aux choses spirituelles. Nous pensons que le Saint-Esprit nous est donné tout simplement pour aider nous comprendre seulement la parole du Seigneur ou bien révélez-nous bagay qui sortit dans l'Éternel. Mais le Saint-Esprit, qui dit le Saint-Esprit, dit Dieu lui-même. Et l'on dit Dieu qui sortit ou dit le Dieu omniscient. Ça veut dire c'est que bon Dieu lui-même est la connaissance même. Qui ça, bon Dieu, pas connaît? Amen. Qui ça, bon Dieu, pas connaît? Pas grand rien que bon Dieu pas connaît. Donc, borner le Saint-Esprit aux choses spirituelles, c'est limiter capacité ou bien c'est freiner tête ou pour qu'on pas marcher dans le surnaturel. La Bible raconte nous l'histoire de Daniel. L'histoire de Daniel qui était avec ses compagnons qui étaient retrouvés à Babylone. La Bible dit nous comme ça, pendant yo à Babylone, puisque yo conscient de identité yo, yo déclaré yo pa manger babylonien yo bi caldéen yo t'a manger yo t'ai choisi pour yo manger m'étais capable dit pour yo manger vegetables et puisque t'ai fait choix pour que yo capable manger vegetables tu pas d'accord pour t'ai souillé pour tête yo la bible fait nous connaître lorsque t'ai retrouvé à Babylone yo t'ai gain pour t'ai étudié la culture chaldéenne, yo te gen pour étudier droit, l'histoire, l'astronomie, tout ça. Eh bien, après des examens, la Bible fait nous connaître que Daniel et ses compagnons yo te 10 fois plus meilleurs que chaldéen yo. Et raison qui fait te 10 fois plus meilleurs que chaldéen yo, c'est pas le fait est que yo te des génies, mais c'est parce que yo te gen l'esprit du Seigneur dans la vie yo. Jodi a moi-même ensemble avec vous, nous gen l'esprit du Seigneur dans la vie nous. Amen. Pendant une salle de classe là, si vous constatez que vous avez des lacunes, eh bien, moi-même ensemble avec vous, ça, qui ça nous doit faire? Nous devons soumettre nous en basel cet esprit, puisque le Saint-Esprit, c'est la connaissance même. J'aime ce dit tout à l'heure là, le Saint-Esprit va révéler nous seulement les choses de Dieu. Pas oublier nous, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Lorsque vous avez des lacunes,
Donc, livré au Saint-Esprit, et lui-même est capable de passer avec vous dans le domaine de connaissance. Ce n'est pas seulement Daniel, mes chers amis, mes chers frères et sœurs. Nous avons une contemporaine, nous, et que le Seigneur lui-même te parle une connaissance surnaturelle. C'était Ben Carson. En plus, nous-mêmes connaissons Ben Carson qui est dans le domaine médical. Eh bien, l'histoire fait nous connaître que Michel lui-même, il t'a préparé pour l'entrée à l'école médecine. Mais une matière que lui était lacune là-dedans, c'était la chimie. Tout ça que lui fait pour essayer de résoudre ou bien essayer de comprendre la matière là, il était des difficultés pour le comprendre. Mais qui ça lui fait? Il pas arrêté là. Il priait le Seigneur. Amen. Il priait le Seigneur. Et pendant l'abdomen, eh bien, le Seigneur lui-même présenter ça que le pas connaît, lui montrer lui. Et dans le lendemain, il prend examen, il était en mesure pour prendre examen et réussir lui. Même Jean l'Éternel, mes chers amis, te bail Daniel, connaissance qui a rapport à l'histoire, qui a rapport à l'astronomie, qui a rapport à la culture. Moi-même, ensemble avec vous, l'Éternel qui en donne nous en tout, il veut faire même bagaille avec moi-même, ensemble avec vous. Même Jean l'Éternel, lorsque Ben Carson était bloqué, quand il était bloqué dans matière, là, l'Éternel te balle connaissance pour qu'il soit capable de passer. L'Éternel voulait faire même bagaille avec moi-même, ensemble avec vous, pour gloire dans lui et gloire dans lui seul. En nous acclamer le Seigneur. Ce n'est pas seulement Daniel, ce n'est pas seulement Ben Carson. C'est la sœur Réginale. Pasteur nous toujours racontez-nous l'histoire servante ça, qui voulait jouer. Il a un désir pour jouer piano, mais il a des difficultés pour jouer piano. Il n'a pas jouer piano, il n'a pas apprendre à jouer piano. Et bien là, à l'écoute, le Seigneur lui dit, le Seigneur, montrez-moi jouer piano. Et bien dans le lendemain, il l'a levé avec capacité, avec connaissance pour jouer piano. Amen. Il levé avec capacité pour jouer avec piano. Moi-même, ensemble avec vous, pas limité pour obtenir tout, avec quoi que ce soit ou sans limite. Dis avec voisin ou sans limite, puisqu'on gagne l'Éternel des armées en dedans ou pas gagner limite. Lorsqu'on est livré au Saint-Esprit, eh bien, bon Dieu lui-même est capable de passer très haut avec vous pour gloire nos lignes et gloire nos lignes seules. Pour nous mettre fin avec message, nous, mes chers amis, mes chers frères et sœurs, nous disons comme ça que la connaissance est une information que Dieu dépose en nous. C'est ça que nous disons. Et nous dit comme ça, on connaît information que bon Dieu déposé dans nous même avec l'esprit ou, mais on comprend information avec intelligence ou. Et information ça capable pour chacun de nous-mêmes des feux de circulation. Gè côté où doit camper, gè côté où doit ralentir, gè côté où doit aller. Et je veux dire moi vin tout même gens cette connaissance était bénéfique à Daniel. Il était bénéfique à Ben Carson, il était bénéfique à Sœur Réginale. Et je l'ai dit à moi, Vindou, comme ça, connaissance à la bénéfique avec vous-même tout. Amen. Moi, déclaré connaissance à la bénéfique avec moi-même, la bénéfique avec vous-même pour la gloire de notre Père. Bon, me racontons l'histoire, ça, dans Daniel le chapitre 2. C'est une histoire qui captivait moi. Daniel le chapitre 2 dit nous comme ça, et Nebuchadnezzar a fait un rêve. Si on moun fait un rêve, seule façon capable d'expliquer moun rêve là, on l'autre moun capable d'expliquer un rêve là, faut moun ta di ou mais qui rêve li fait. Seule façon pour moun expliquer un rêve là, faut moun ta di ou mais ça me rêvé. Ou même si ou gen don interprétation qu'on a interprété rêve là. Eh bien, roi Nebuchadnezzar fait un rêve. Il fin fait rêve là, plusieurs rêves, il kembe rêve là qu'on a menté. Il faut que tout le monde qui est dans le royaume, le monde qui est dans la position pour interpréter le rêve pour lui-même, interpréter le rêve. Là. Pas qu'il y ait un qui est capable d'interpréter le rêve. Là. Mais Daniel lui-même, et conséquence, c'est qu'il n'a pas interprété le rêve, il a mis fin avec vie tout lui-même. Et Daniel est capable de mourir parmi les gens qu'il a tué. Mais Daniel a demandé 3 jours. Pendant 3 jours, Daniel a consulté l'Éternel des armées. Et l'Éternel révèle ça qui est dans la tête roi. Peut-être ou pas comprendre, peut-être ou pas prendre temps pour méditer ou bien réfléchir. M'gon bagay dans la tête moi, ça qui est dans la tête moi-même, c'est moi-même seul qui connais. Madame moi par contre ça qui est dans la tête moi. Petite moi par contre ça qui est dans la tête moi. Maman par contre ça qui est dans la tête moi. Papa par contre ça qui est dans la tête moi. C'est ça qui passe Daniel avec roi Nebuchadnezzar. Ça qui est dans la tête c'est lui-même seul qui connaît lui dans la tête. Mais lorsque l'Éternel, Daniel a consulté l'Éternel,
L'Éternel révèle Daniel non seulement rêve là, li bali explication rêve là. Journée jodi a si ko ou konnen ou konnen pas normal ou c'est un monde qui est extraordinaire. Gen pas toute bagarre ou accepter ou pral consulter l'Éternel parle là. Même Jean l'Éternel t'est révélé à Daniel bagarre qui dans tête roi là, li capable révéler ou, li capable révéler au bagarre qui caché. Amen. Li capable révéler au bagarre qui caché. Moi je dis tout à l'heure là mes chers amis, c'est une erreur fatale lorsque nous prenons le Saint-Esprit aux choses spirituelles. Ou qu'on pralit la Bible, ou prend la parole du Seigneur. Au moment où fait son pralit, peut-être troublé pour comprendre ou pas comprendre. Mais quand l'autre moment, pendant où adorer le Seigneur, pendant où chercher le Seigneur, pendant où fait ça ou l'ouvrir Bible là, non, faire c'est seulement. Peut-être c'est parti généalogique là où qui est en jouer la vie, non ça seulement. C'est même Jean tout. Même Jean le Saint-Esprit capable de comprendre la parole du Seigneur. Ou capable d'aller en livre chimie. Pendant ou l'île, ou capable l'île avec un esprit d'adoration. Moi quoi? Ou capable l'île livre chimie avec livre d'adoration, avec un esprit d'adoration. Ou bien ou capable prendre test là avec un esprit d'adoration. Quand tout le monde entre sous examen hein, avec un esprit de peur, mais ou même ou capable entrer avec un esprit d'adoration. Ou capable entrer avec la présence du Seigneur. Ou capable entrer avec le climat du ciel. Ou capable entrer avec l'atmosphère ciel là. Moi quoi? Famille madame moi gagné yon zami qui toujours visitait yo. Zami ta vive West Palm Beach. Chaque lè li visite yo, yo toujours préparé bal manger pour la lakali. C'est moun Jérémy, il veut me comparaître que nous connaît. Il est toujours en partie, il dit ça c'est pour me faire la route. Pendant sous route là, ça c'est pour faire la route. C'est pour faire la route. Gè quelquefois route la longue mes chers amis. Si ou pa gen un bagay pour kembe nan men ou, ou ap découragé. Même lò konnen ki sa kap tan nou, ou capable prendre une autre route. Si que ou pa gen bagay nan men ou pendant ou fè route là. Dans Éphésiens le chapitre 1 le verset 13 à 14. La Bible fait nous connaître que le Saint-Esprit, bon Dieu ba nous le Saint-Esprit comme garantie la vie éternelle nous. Le Saint-Esprit c'est garantie la vie éternelle nous. Mais en dans la vie éternelle, gain provision la vie éternelle. Provision la vie éternelle. C'est moyen, c'est provision pour faire route là parce que route là longue en pile. Si ou pas gagner provision la vie éternelle nan men ou gokoto rive ou ap décourager. Si ou vle di vérité, tout campé ou au campé loin bagay qui contraire à la volonté du Seigneur, c'est parce que ou gon bagay nan men ou. Ou gon bagay qui fait qu'on content. Ou gon bagay qui dit ou hier dimanche on était l'église, journée aujourd'hui on capable retourner. Gon bagay qui dit ou matin on était prier, à soir on capable prier. Gon bagay ki tout matin ou te li bibou, aswa ou doit continuer li bibou parce que gon bagay ki pousse ou. Dans le cas contraire mes chers amis, si vous voulez dire vérité. Même si n'a parlé de la vie éternelle, l'amour qu'on kote ou pralé. Gan pile chance pour moi ensemble avec ou ta dévié route là. Gan pile chance pour moi ensemble avec ou ta prend l'autre route. Mais journée jodi a moi vinn fort konnen que la connaissance c'est provision le ciel ba ou pour faire route là. Amen. La connaissance c'est provision l'Éternel baou pour faire route là. Lorsque on en salle de classe là, qui ont l'autre qui pas même connaît le Seigneur Jésus-Christ, yo déclaré li son génie. Gè parole ou kontan de moun répété devant qui kon rend nous découragé. Gè parole moun kon répété devant ou qui kon fait ou même pour un jour même ou suspend prier. Mais lorsque ou connaît qui moun qui en dedans ou, lorsque ou connaît que ou gè capacité pour surpasser ça y aurait les génies ou pas qu'à décourager
parce que l'Éternel bon bagaille pour faire route là. Amen. Moi dis l'Éternel bon bagaille pour faire route là. L'Éternel bon bagaille pour faire route là. L'autre t'a voulu mépriser ou connaît ou gagner l'Éternel. Et puisqu'on gagne l'Éternel, c'est qui sont gagnés ou gagne la connaissance de l'Éternel. Ou c'est un Daniel. Amen, amen. Ou c'est un Daniel. Moi déclarer, moi c'est un Daniel. Moi déclarer, moi c'est un Daniel. Moi déclarer, ou c'est un Daniel. La parole du Seigneur fait me connaître. C'est paroles ça que me croit moi-même qui me force pour me continuer vivre. C'est paroles ça que me connaît qui me force pour me continuer le mal dormi pour me lever. La parole me sentit dans l'esprit tout aspect la vie moi capable de qu'on pied bois qui planté pour qu'on une rivière. Amen, amen. Tout aspect la vie nous capable de qu'on pied bois qui planté pour qu'on une rivière. Moi déclarer quel que soit aspect la vie moi-même ensemble avec vous puisque nous gagne l'Éternel des armées en dans la vie moi déclarer côté l'Éternel campé pas qu'à gagner stérilité côté l'Éternel campé pas qu'à gagner infertilité côté l'Éternel campé pas qu'à gagner sécheresse si on déclarer ou gagne cerveau yo souris yo déclarer ou gagne cerveau yo anoli mais avec l'Éternel t'es tout capable petit c'est vrai mais en dans t'es tout gagne la connaissance de l'Éternel moi dit t'es tout capable petit en dans t'es tout gagne la connaissance de l'Éternel, acclamez le Seigneur. En dans tête ou gagner la connaissance de l'Éternel. En dans moi gagner la connaissance de l'Éternel. En dans moi gagner fleuve de la vie. En dans moi gagner fleuve la vie éternelle. En nous acclamez le Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni et exalté. Que le nom du Seigneur soit magnifié. Mba konnen ki kote ou teye hier. Mba konnen ki kote ou teye matin. Mba konnen devant ki sa ou t'ap trébuché. Si seulement ou konnen l'Éternel en dan ou. L'Éternel a fait des exploits avec ou. Nan domaine éducation, mwen kwè li l'Éternel a fait des exploits avec mwen même ensemble avec ou. Mwen déclarer m'pa passer nan moun sa tant kou la fume avec l'Éternel. Nous déclarer dans le monde ça pendant nous gain l'Éternel en dans la vie nous nous pas passer tant que la fumée tant que Père céleste que nous bénis que nous exaltés que nous magnifier Seigneur merci pour grosseur en dans nous Seigneur merci pour connaissance en dans nous merci Seigneur tant que Père céleste nous tout merci Seigneur même Jean Seigneur où t'es bail Daniel capacité pour lui capable qu'on est culture, une culture étrangère. Même j'en te baille Daniel capacité pour te apprendre, Seigneur Dieu, droit, l'astronomie de même. Vous voulez faire même bagaille avec nous-mêmes, avec l'église tabernacle de gloire, avec campus, l'église tabernacle de gloire. Eh bien, nous tous merci, Seigneur. Nous tous merci. Avec Dieu, nous ferons des exploits au nom de Jésus-Christ de Nazareth.